Cela fait des mois que Lily Bay, la petite fille des Sussex, est née. Cependant, aucun membre de la famille royale ne l'a encore vue directement. Pour ouvrir la voie vers l'apaisement des tensions actuelles, le prince Harry et Meghan Markle envisagent de se servir de leurs enfants. Le couple serait ainsi enclin à faire venir Archie et Lily Bay au Royaume-Uni pour Noël 2021. L'auteur royal Cathy Nicole a déclaré à Closer que ce serait une bonne opportunité pour ouvrir la voie à une guérison du fossé familial. Le fait que le prince Charles ainsi que la reine Elizabeth ont hâte de voir les enfants de Harry et de Meghan. À noter que la dernière fois où le couple a passé Noël au Royaume-Uni date de 2018. Le prince Harry n'y est retourné que deux fois depuis qu'il a quitté ses fonctions royales. Meghan Markle n'est plus du tout retournée au Royaume-Uni depuis qu'ils ont emménagé aux États-Unis. Si la visite se faisait, ce serait la première fois que la petite Lily Bay fait la rencontre de son arrière-grand-mère de laquelle elle tient son prénom. Ils ont toujours Frogmore Cottage et leur plan était de revenir au Royaume-Uni. L'auteur royal Nicole a soutenu que le couple des Sussex ne tenait pas à abandonner totalement la Grande-Bretagne. Selon elle, le prince Harry et Meghan Markle prévoiraient de revenir au Royaume-Uni. Et pour l'occasion, la petite famille des Sussex séjournera au Frogmore Cottage. La visite des Sussex à Noël serait également la meilleure opportunité pour eux d'arrondir les angles avec d'autres membres de la famille royale. Entre les deux frères, c'est toujours le froid même après qu'ils se soient réunis deux fois cette année. Effectivement, le prince Harry et le prince William ont été vus ensemble lors des funérailles du duc d'Édimbourg en avril. La deuxième occasion était l'inauguration de la statue controversée de la princesse Diana, le 1er juillet.